Alors, bonjour à tous et merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. Heureux de vous retrouver en ce samedi 13 juillet 2019, 11h04, heure du Québec. J'ai réglé mon problème de caméra. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Partagez les vidéos, c'est important. C'est vraiment, vraiment important pour remonter dans ces algorithmes qu'on nous met comme des bâtons dans les roues pour nous empêcher de progresser quand on n'est pas du bon côté. On n'aime pas entendre parler toujours, de ce dont on ne parle jamais dans les médias traditionnels, et c'est ça notre rôle. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages qui nous servent énormément à trouver tellement d'informations pertinentes, parce qu'il y a tellement de choses, je suis seul, je ne peux pas tout faire, mais j'ai des centaines de collaborateurs que je remercie et qui servent la cause d'expliquer, de faire avancer les explications, de démontrer hors de tout doute de la rationalité de nos point de vue. Donc, vraiment, c'est apprécié. 11h05, heure du Québec. Il y a des phénomènes qui ont l'air des fois naturels, mais qui ne le sont pas. C'est le cas, par exemple, de ce fameux beau lac bleu cristallin qui attire les touristes en Russie. Mais dans le fond, c'est une décharge d'une centrale thermique. C'est très dangereux. On va aller voir ça ensemble. D'ailleurs, le nucléaire, c'est une source d'énergie quand même assez sûre, mais qui a un problème majeur et un côté très négatif, sont les déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il y en a beaucoup de déchets. On les envoie partout. Donc, on va aller voir ça ensemble. Ça a été envoyé par Max, qu'on remercie, un travailleur acharné. En Russie, ce lac bleu cristallin attire les touristes. Je vous laisserai le lien parce qu'il y a une vidéo. Vous irez voir ça. Mais en réalité, il s'agit de la décharge d'une centrale thermique. Imaginez-vous, si des panneaux avertissent de la dangerosité des lieux, certains n'hésitent pas à risquer des irritations de la peau ou des problèmes plus graves. Imaginez-vous, pour faire la photo parfaite. Bienvenue aux Maldives. Non, ce lac artificiel à la couleur irréelle est situé en Sibérie, à proximité d'une centrale thermique. Le site qui sert de décharge est rapidement devenu un phénomène sur Instagram, avec son eau d'un bleu cristallin éclatant dû à la dilution d'oxyde de calcium rejeté par la société gérant les lieux. Si des panneaux avertissent de la dangerosité des lieux, certains n'hésitent pas à risquer des irritations de la peau ou des problèmes plus graves pour faire une photo parfaite. J'étais venu pour faire une belle photo. Notre ville est grise et c'est l'un des seuls beaux endroits à raconter à l'AFP. Alexei Cherenkov, l'un des premiers à avoir popularisé ce site avec une photo sur laquelle on le voit encagoulé sur une bouée en forme de licorne blanche. Le cliché lui a aussi valu une irritation cutanée sur les pieds. Déjà parti d'après lui, le jeune homme ne conseille toutefois à personne de goûter cette eau. Selon lui, l'absence de surveillance explique la présence de visiteurs, dont certains font même des barbecues sur place. Au vu de l'engouement, l'entreprise chargée de la gestion de la centrale a jugé bon de rappeler sur son site Internet qu'il s'agissait d'une zone industrielle, pas d'une réserve naturelle ou d'un parc aquatique. Elle a recommandé aux badauds de ne pas s'y baigner et de n'utiliser en aucun cas cette eau pour arroser leurs plantes. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est vraiment incroyable. Je vous laisserai, comme je vous dis, le lien ici, mais de toute façon, la vidéo ne semble même pas fonctionner. Il semble avoir un petit problème. Il y a un code à intégrer, ça a l'air assez compliqué en tout cas. Vraiment, wow! Toute une histoire. Mais ce n'est pas un endroit paradisiaque, c'est la décharge d'une centrale thermique, imaginez-vous. Donc, on peut voir ici le fameux lac d'un bleu cristallin qui est en fait
une centrale thermique. Avis à ceux qui voudraient aller s'en approcher.